Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un très joli jeu, l'oracle virginal qui a été réalisé par mon amie Antoinette Charbonnel. C'est un coffret qui a été donc auto-édité. Vous le retrouvez sur son site La Fée Lumière, je vous mets la référence en dessous en barre d'infos. Et c'est une seconde édition ici que j'ai avec moi. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert ce jeu. Il est tellement empreint de bonnes ondes, de douceur. Alors, je vais vous le partager. Il arrive dans un coffret rigide. Vous avez un livret. Alors, le livret, il se présente comme ceci. On a d'abord directement l'utilisation de l'oracle. Par exemple, ici on a un tirage à trois cartes. On a ensuite une petite introduction d'Antoinette. Et ensuite, on a directement les interprétations des cartes. Donc on ira prendre une petite carte et je vous lirai son texte. Comme ça, vous allez voir par vous-même si les textes vous parlent. Ça, c'est pareil comme les illustrations très personnelles. Donc j'irai vous lire une petite carte. Alors le jeu, comme je m'en suis servi, il n'est pas forcément dans le bon sens. Alors vous avez une petite languette, voilà, pour sortir le jeu. Voici l'intérieur du coffret. Le coffret est verni brillant comme les cartes. Vous avez une très belle... Enfin, les cartes sont de belle qualité. Vous avez un vernis bleu, pas un vernis, pardon, une tranche bleue pour les cartes. Et voici le dos. Voilà, donc on reste dans les tons de bleu à chaque fois. Vous voyez qu'on a... On peut les battre facilement en mode shuffle aussi si on en a envie. Et elles reviennent à leur place. Voilà, donc super. Alors, on a ici l'accueil, l'amour, la beauté, le blocage, la clarté, croire, debout. Et vous voyez, ce sont des photos qui ont été que Antoinette a utilisées. Je trouve ça très joli. Des représentations, des photos. Chaque carte, du coup, a vraiment son ambiance avec le jeu des couleurs, des lumières. C'est vraiment très sympa. La gloire. La grâce. Guide. Ici. Icône. Je suis, joie, justice. Je vais vous raconter mon premier tirage justement avec ce jeu. Ma maman venait de m'aider justement pour venait de venir m'aider chez moi pour accueillir les bouts tarot et m'aider à faire les premiers envois. Et elle m'aidait aussi pour faire quelques cartons pour le déménagement. Et quand j'ai reçu ce jeu, c'était le jour où elle partait. Et j'ai tiré une carte, et c'était la carte justement de la mer. et on avait cette idée aussi de reconnaissance et d'amour, de donner et de partager son amour dans le livret, dans les textes d'Antoinette. J'ai appelé ma maman pour lui dire que je l'aimais très fort et que je la remerciais d'être venue m'aider. Voilà. Mais j'ai vraiment trouvé la coïncidence avec ce que j'étais en train de vivre et le tirage très forte. Donc on a sœur, on a terre et on a vision. Alors, on va tirer une petite carte.
on a la carte message. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret. Alors, message. La déesse mère de l'écho. Je te demande d'ouvrir en grand tes clairs intuitifs, d'être réceptif aux messages que je t'envoie. Je m'affaire à déposer des guides lumineux pour éclairer ta route. Les messages divins sont toujours enveloppés d'une aura réconfortante, te permettant d'être soulagé et de retrouver la paix. Entends-tu mon écho ? Et les mots-clés, c'est recevoir des nouvelles, missives, lettres et écrits. Voilà. D'ailleurs, je me demande au niveau de la taille, je pense qu'on a des tailles, une taille poker ici pour ce jeu. Poker américain, pas poker français qui sont plus petites. Voilà, voilà. J'espère que cette découverte de ce joli jeu vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous. Bye bye.